J'ai l'ambition de faire de notre armée une armée puissante. Madame, Monsieur, fidèles téléspectateurs, il faut le dire et insister sur cette question que la force armée à Moranabissou Bazou Bundisa avec la détermination la plus décisive du groupe rebelle sur l'Est. Et nous insistons sur le soutien à Bandekouana. Le chef de l'État a promis de réajuster leur enveloppe salariale. C'est normal. A changé, nous vivons dans un état de droit. Je refuse des chantiers non achevés parce que j'ai un bilan à présenter au peuple. Mais c'est clair. Vous pensez que nous allons toujours là continuer à prendre des décisions sans pour autant suivre l'applicabilité de ces décisions-là? Je me souviens encore une fois de plus, le 24 mars, lors du lancement du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État, avec une place mythique échangeur, ce qui m'a plu dans son allocution, la sous-allocution, j'en appelle au suivi du peuple congolais. Donc on en a Joseph Kabila Awa. Pourquoi? Parce que, la décision avait un abirose et la rapport. Mais je vous annonce que cette fois-ci, ici, toutes les mesures qui seront prises par l'autorité suprême du pays, il a pris l'engagement, bien entendu, à suivre l'applicabilité Nayango, Bissouzan en tant que peuple congolais, Bissouzan en tant que Lobel Nabino. Nous allons suivre ça de près pour sûrement vérifier le chantier inachevé. Quand on a insisté que va activer l'article 8 pour la désignation et apporter parole à l'opposition, c'est parce qu'on s'est rendu compte que il y a Mamboutou na kati opposition. Mokonzamboka se rendre compte que si nous nous mettons ensemble, si réellement nous acceptons de travailler pour l'intérêt supérieur du souverain primaire, rien n'est impossible. Yanga lobby, la pauvreté n'est pas une fatalité. Nous allons la vaincre et nous la vaincrons. C'est ce qu'on entend par la détermination politique. Lorsqu'on est déterminé à rencontrer, à relever certains défis, les moyens vont se disposer, d'autant plus que la volonté politique est de mise. Nous souhaitons le retour au deuxième tour de l'élection présidentielle pour que l'élu soit légitime et comptable devant le peuple. Madame, Messieurs, nous avons tous décrit en 2011, à moins que je ne me trompe, le fait qu'il y a qu'on ramène scrutin présidentiel, il y a deux tours et qu'on a un tour. Nous avons tous déploré cela. Pourquoi? Parce que on pouvait avoir 30%. Et bien, nous avons un pourcentage de Osa élu président de la République. Mais est-ce que réellement vous bénéficiez de la légitimité? La légitimité, c'est la confiance que le peuple place en vous. On regarde le pourcentage. Et bien, non, Mokonzambo élu, dans 90%, dans 70%, sûrement là, vous bénéficiez de la légitimité du peuple congolais. Mais au contraire, en tout cas, ce qui va revoir à disposition et aux Alas bien et permettre un peu que Mokonzambo aux Alas élu a bénéficié d'une aspiration profonde et à la population. Je ne vais pas perdre. Nous préférons la révision du mode de scrutin des gouverneurs et des sénateurs pour qu'ils puissent revêtir de toute la légitimité et éviter les scandales des scrutins derniers. Madame, Monsieur, fidèles téléspectateurs, c'est avec grande honte que nous avons assisté à des séries de corruptions à grande échelle lors de l'élection au niveau de l'Assemblée provinciale, au niveau du Sénat, institution où il y a Mounene, apprendre qu'il y avait des sénateurs, où il y a des sénateurs bon parce qu'ils ont corrompu. Dans la Kanaï, a lié si des députés provinciaux pour qu'ils aient voté Bango. Allô? Ngaya wa santé eza misuma. Ah! Hey, au côté linga linga la bonne santé moine. Mon fils, pour ma santé misuma. Ah! Au côté linga linga la. Bandeko, misuma ezali ko côté la mutulinga la te. Ezali mutuelle de santé. Oyo et puis ça meli na batunyos. Employé to non employé, mutu nyoso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois pour être mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyoso ya minene
ya République démocratique du Congo. Ce qui malade na yo ba koki ko traité yango. Awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo, okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to and kalamingi te na bamboka misusu. Ce qui mutu oyo misunga ezwa ki charge na ye pona ba soin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akoso ki pe na mort na korbia. Ate bandeko bazali libanda bakoki ko adere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwa kaswe awa na mbongo bango bazali kofuta na misunga ta santé c'est ta vie. Encore une fois, nous vous disons sincèrement merci, fidèles téléspectateurs, amis internautes de Congo France. Vous êtes extrêmement nombreux, j'ai dit bien extrêmement nombreux, à nous suivre de partout dans le monde avec une attention pointue. Vous avez accepté bien entendu de nous suivre pour vous livrer au moins cette petite analyse en rapport avec le décryptage de l'allocution du chef de l'État. J'ai dit bien l'autorité suprême de la République démocratique du Congo, tenue le 13 décembre dernier devant les deux chambres réunies en congrès. Les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Eh bien, il faut le dire, les avis sont divergents. D'une part, on parle des promesses de propagande. De l'autre côté, on continue à insister sur le défi à relever par le chef de l'État. Il faut le signaler d'entrée de jeu que Mokonzi Mboka tenga zuma loba pona ko tenir discours nae. Je rappelle bien un discours de 2h30. 2h30 d'allocution tenue par le chef de l'État, c'est pour la toute première fois depuis Congo za Congo, depuis RDC, Zali RDC, que Nakati à Parlement, on a discours Mokoz à la tenue durant 2h30. Il faut le dire que ce n'est pas une mince affaire. Nous étions là sur place, nous étions dans la salle, c'est vrai, dans le prochain numéro, bien sûr, nous allons vous livrer l'essentiel des interventions des différentes personnalités dans cette salle-là, au Bapesi Makanisa Bango, en rapport avec allocution Mokonzi Mboka. Mais je commence d'abord par le chef de l'État qui s'est félicité d'entrée de jeu sur la sauvegarde de l'intégrité nationale pour laquelle il a rendu un hommage mérité aux forces armées de la République démocratique du Congo et a insisté que la paix est revenue dans le Kasaï et le Tanganyika alors que dans le même temps l'armée nationale intensifie les offensives contre le groupe armé, allais-je dire, dans le Grand Nord, au Sud-Kivu et en Ituri. Je l'ai dit tantôt une fois de plus, madame, monsieur, lors de mon numéro précédent, que sans la paix, il n'y a pas de développement. Et le chef de l'État a pris l'engagement, bien entendu, il y a qu'au pacifier, parti, nion soya mboka ozali naba trouble. Les forces armées, il y a mboka nabiso, bazali bien sûr déterminé. Et au-delà de ça, nous avons lancé un appel très récemment, au cours, il y a son numéro nabiso, en disant que si le chef de l'État continuait à maintenir des généraux, des soi-disant, parce que, excusez-moi, là, ce n'est que mon avis et je le respecte dans mon fort intérieur. Si nous continuons à maintenir des généraux affairistes à l'est de la République démocratique du Congo, Mboka Plasuana Kimero Vandara jamais. Nous avons lancé un appel. Récemment, dans le numéro d'Absoluto, les 4, le Bimokonza Mboka, pour le moment, là, les généraux affairistes. Nous avons autant à Kumona Bango, parce que je suis déterminé à dénoncer avec la dernière énergie. Parce qu'on ne peut pas imaginer un général, un salaire sur 150 $, un général avec un salaire mesquin, mais ils continuent que font l'entreprise, ils ont l'industrie, manufacturée, rébellée. Comment expliquer ces paradoxes-là alors que vous avez été envoyé là-bas à l'est de la République démocratique du Congo, bien sûr, pour commander des opérations de sorte à remettre la paix définitivement dans cette partie. Mais force est de constater, malgré déploiement militaire, il y a toujours des coups bas, il y a toujours des dessous des cartes qui ne permettent pas que la paix puisse revenir de fond en comble dans la partie. Et le chef de l'État avait insisté au cours de son allocution pour la permutation, il y a des généraux, que l'on a militaire, il faut le dire, ce ne sont pas tous les militaires qui sont des affairistes. Hein? Nous ne pouvons pas ici le saboter en disant que vous devez partir. Non. Le chef de l'État, ayant compris et maîtrisé bien sûr la quintessence de notre message, il s'est vite rendu compte que l'urgence s'imposait de manière non négociable. Il fallait faire partir Baferis Tewana. Et l'autorité suprême de l'RDC, bien entendu, a entendu la voix du peuple. Il a entendu, bien entendu, la voix du souverain primaire. Toutes ces personnalités-là, tous ces généraux vont devoir partir de là pour remplacer véritables compatriotes. Ou Baroyana, Ponorosala, Baferte, ou Barozalana, Kop, Minte, ou Barozalana, Kop, Etente, Koltente. Au travailler, au Barozala, on a effectivement pour remettre
kimia ezonga namboka na biso. Mais qu'à cela ne tienne, je pense qu'il y a eu des phrases, il y a eu des phrases très essentielles qui ont marqué l'attention de plus d'un. Nous allons d'abord commencer par cette phrase. Le chef de l'État insiste en disant que nous avons la capacité de renverser le paradoxe qui veut que la RDC soit le pays le plus riche du monde et que sa population soit la plus pauvre du monde. Mesdames, Messieurs, Tolobango, à chaque fois que nous avons atteint une classe, nous avons atteint une bande maternelle, nous avons une licence, nous avons une facique. Jamais nous avons atteint une classe. Diamant yango avec preuve à l'appui. Éteint yango avec preuve à l'appui. Coltan yango, c'est vrai, le coltan aujourd'hui parmi les révolutions technologiques au monde. Bon, on se rendre compte que à chaque fois qu'il y a des nouveaux, j'allais plutôt parler des nouvelles appareils où ils allaient fabriquer dans le monde, à l'est ça brûle. Et le chef de l'État cherche et il est déterminé à renverser ces paradoxes tout en mettant maintenant les évidences sur la table. On ne peut pas être appelé pays riche tout en disposant d'un peuple qui a un pouvoir d'achat mesquin. On ne peut pas prétendre être un pays riche tout en ayant la pauvreté criante dans la chair. Vous pensez que mon toiseau défalit pas dans le Congo. Donc on continuera à défalir pas dans le Burkina Faso. Mais alors que nous sommes un pays riche, c'est un véritable paradoxe. C'est un véritable contraste. Hein? C'est une véritable confusion parce qu'on ne peut pas expliquer cela. Pays riche, mais tout en ayant un peuple très pauvre. La deuxième phrase qui nous a intéressé, c'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays, un président élu prononce un discours pendant que l'ancien est en vie et libre. Madame, Monsieur, je ne cesse d'insister sur cette question pour faire voir la bande de la différence quand vous en avez FCC, vous en avez cash, vous en avez la société civile. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? L'autorité suprême de la RDC en accédant à la magistrature suprême, a qui détermination. Et à commettre à toutes les parties autour du table, autour d'une même table, allais-je dire, pour que tout travaille pour l'intérêt où ils allaient bon mot supérieur et à ban un boka. Je me rappelle encore très bien Ndeko Martin Fayulu m'a dit à qui je souhaite un bon retour parce que il faut le signaler que Ndeko Martin Fayulu sont à qui lobby un boka. Martin Fayulu, il y a période électorale quand ils étaient bien entendu reçus dans le Congo au Batunaki Bango. Une fois que vous allez bien sûr accéder à la magistrature suprême, quelles seraient vos premières mesures? Ndeko Martin Fayulu Lobaki, tous ceux qui ont volé l'argent de l'État seront mis dans les cachots. Mais pour le compte du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Lobaki Angoko, nous allons prôner la réconciliation, nous allons prôner l'unité nationale, et Mokonzamboka a réitéré cette même volonté, tout en signalant, tout en soulignant, allais-je dire, qu'au moment où ils ont prononcé allocution naïe devant les deux chambres, il y a Parlement réuni en congrès. Il y avait le sénateur à vie, Joseph Kabila, quelque part, il faut le dire bien, en RDC, à l'occasion, c'est qu'il y a une première. C'est à féliciter parce que les gens s'attendaient à une chasse aux sorcières. Je l'ai toujours dit, là c'est mon avis et je m'engage, je le dis sans crainte d'être contredit, que ce pays, ce qui est une politique à chasse aux sorcières, peut-être n'est l'autre déploré que dans l'Est, mais que les Otanga, on allait peut-être aujourd'hui aussi vivre dans la ville province à Kinshasa ou bien dans quelques provinces Msusu, instabilité. Alors, le chef de l'État, disposant de cette intelligence et de la sagesse divine à Lobi, nous allons bien sûr permettre à ce que. Parce que, à Lobi, il n'y a pas dans un camp des démons de l'autre côté des anges. Attends, la carte à cache dans Lobi, attends, la carte à cache. Ils ont la bateau où ils basent militer pour que quelques actions de Konzambo capé et réussir. Mais ne vous en faites pas, nous serons là pour les dénoncer. Nakati et FCC, tous ne sont pas des bourreaux, tous ne sont pas des détourneurs. Il faut insister que 18 ans il y a règne Ndeko Joseph Kabila qui 18 ans il y a gabegie financière, il y a qui 18 ans il y a abus des pouvoirs, il y a qui 18 ans il y a détournement de deniers publics, il y a qui 18 ans il y a pauvreté accrue. Il y a qui 18 ans, il y a un massacre à grande échelle. Alors, Mokonzambo Katanga a zuba rien à pouvoir. Il s'est dit avec détermination, nous devons nous mettre ensemble, trouver des solutions, mais en l'obac, on a l'occasion, aux problèmes congolais, des solutions congolaises.
Donc c'est-à-dire que nous avons des problèmes en RDC. Point n'est besoin d'aller courir à l'extérieur du pays pour trouver des solutions. Point n'est besoin d'aller ailleurs pour trouver des résolutions à tous ces problèmes qui nous guettent. Nous sommes capables. Le peuple congolais est assez mature. D'ailleurs, le chef de l'État l'a démontré. Après avoir accédé à la magistrature suprême à Lobby, au lieu de Rubanarukangabat, c'est vrai. Il y a une chose qu'il faut rappeler. Le fait que Mokonzambo Kaloba, dans l'une des interventions, n'a eu un média international, lui, que je n'ai pas le temps de fouiner, cela ne veut pas dire absolument que nous allons aujourd'hui prôner l'impunité. Non, 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 non. Non, 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 non. Impunité, n'attend pas de côté ce qu'est dit Ekorinyakate. Là, en tout cas, il faut se désillusionner parce que tous ceux qui vont mettre à la main, tous ceux qui commettront des incidents sur le trésor public seront arrêtés. Pour qu'il va répondre à l'acte de l'acte. État des droits, État des droits, c'est respect à Mibéko, respect à souverain primaire. Parce que lorsque vous êtes là, je n'ai jamais cessé d'insister sur cette question. La finalité de chaque action politique, c'est le bien-être social. Le Mokonzambo, même s'il tenait un discours de 40 heures, un discours de 24 heures, mais si ces discours-là restent creux, sans pour autant être assuivi des effets positifs, c'est pratiquement impossible de parler des hommes d'État. Mokonzambo a eu une décision, d'ailleurs, il a déclaré que année 2020, année à action, année à prospérité, année à renaissance, année à lutte contre la corruption, bien sûr, nous allons en venir, eh bien, sans cela, c'est pratiquement impossible. Le Parlement est invité d'activer l'article 8 de la Constitution pour qu'il y ait un porte-parole de l'opposition qui va être notre contradicteur attitré. Cela veut dire quoi? Nous sommes, excusez-moi, un peu déçus de constater qu'il y a d'un côté Moïse Katumbi Tshapwe qui se réclame de l'opposition républicaine. Il y a de l'autre côté Martin Fayulu qui continue avec son fameux combat de la vérité des urnes. Il y a de l'autre côté Ndeko Jean-Pierre Bemba Gombo, excusez-moi monsieur, le président du mouvement pour la libération du Congo, Jean-Pierre Bemba, Azoua qui règne à Oaya Lamouka durant 3 mois, aucune réunion. Ndeko Bemba a s'investissant qui vraiment était pour qu'à travailler pour la compte de Lamouka. À ce que moi je comprenne, c'est que chaque leader n'a compte si à la Mouka Azuluka s'est positionné pour un objectif 2023. Bientôt là c'est 2020, 2023 sous Moussika. Ce n'est que normal que l'opposition va marcher en ordre dispersé. Ce n'est que normal, ce n'est que classique que l'opposition va marcher en ordre parce que chacun cherche à tirer la couverture de sa part. Je l'avais dit tantôt, lorsque Martin Fayulu réclamait la vérité des urnes, la fameuse vérité des urnes, est-ce que Moïse Katumbi Tshapwe, est-ce que Ndeko Jean-Pierre Bemba, pour ne pas citer Freddy Matongou, qui est aujourd'hui administrateur na BAD, Banque africaine de développement, ou à Kibongo délégué na compte, il y a République démocratique du Congo, grâce à suprématie à Mokonzambo, à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ces derniers ne parlaient pas le même langage. Toutes ces personnalités-là ne parlaient pas le même langage. C'est-à-dire que Martin Fayulu, ce n'est que normal, c'est un homme politique. Après avoir perdu les élections, il ne pouvait que s'engager dans ces fronts, dans cet affront-là, pour s'écueillir déjà une étiquette, il y a leader, il y a opposition. Est-ce que Moïse Katumbi Tshapwe en 2023, parce qu'il faut le dire, Moïse Katumbi Tshapwe est rentré au pays grâce à Mokonzambo, car Jean-Pierre Bemba aujourd'hui bénéficie aussi d'une certaine largesse, d'une mouvance, naé, grâce à chef de l'État, parce que nous vivons dans un état de droit. Au Tallinn de Kof Martin Fayulu, il est rentré hier, accueilli à grande pompe. Parce que tous les grands états des droits. Est-ce qu'on attend en Kabila Martin Fayulu Masson Abongo? Et ça, la parenthèse pour dire quoi? Nous sommes en train véritablement de vivre dans un état des droits. Mokonzambo Katumbi Tshapwe a insisté que va activer l'article 8 pour la désignation et apporter parole à l'opposition. C'est parce qu'on s'est rendu compte que il y a Mambutu Mbutuna Katia opposition. On ne sait pas qui parle au nom de l'opposition. Sans y a ouverture, c'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre à partir de ces messages-là. Sans y a ouverture, sans y a dialogue, sans y a échange. Parce que c'est en échangeant, c'est en dialoguant, c'est en acceptant de prendre en considération des avis contradictoires qu'on essaie un peu d'ajuster les actions. Ce n'est que normal que le chef de l'État puisse s'engager dans cette logique-là. Donc, c'est vrai, il y a certaines personnalités, certains compatriotes qui ont cru peut-être que Mokonzambo s'est senti un peu... oui, ce n'est que normal, il ne pouvait que se rendre compte que Nanga Mukuna va faiblir ses amas Makasi, va mettre un peu s'organiser pour que et permettre que
ba contradiction na bango esunga ba action oyo balto bazali na bokonzi lelo et comment na bon port, c'est-à-dire que et satisfaire ba aspiration le plus profonde ya ba imboka, ce n'est que normal. Le chef de l'État dit ceci: le slogan des peuples d'abord va demeurer le boussole de notre action. Ce n'est que normal. La boussole, allais-je dire, de notre action. Ce n'est que normal. Aujourd'hui, la mercuriale, Yamokonzamboka, Ndenga Lubaki, Ezali peuple. On ne peut que travailler pour le peuple. Donc, sans le peuple, sans les intérêts, bien sûr, de cette population, ce n'est que anormal, bien sûr, de prétendre travailler pour ce peuple. Donc, ce n'est que normal. Mokonzamboka a se servir na peuple nano pour que amener ba actionnaire. Je le dis tantôt une fois de plus que le slogan le peuple d'abord va demeurer la boussole de notre action. Là, c'est d'après, excusez-moi, le chef de l'État, de continuer la logique wana et puis biso to landela maloba wana. Nous sommes là pour suivre de près toutes les mesures, toutes les promesses faites par le chef de l'État. Parce qu'il faut le dire, qu'il y a une certaine opinion qui croit que Mokonzamboka Azo continuera dans la campagne. On a la promesse à campagne. Donc, nous sommes le bon moment qui a promesse à campagne. Alors qu'en réalité, il y a certaines décisions à Malongo Zomaki qu'il faut qu'on salue. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, nous avons 18% du taux de genre dans le gouvernement. Une femme vice-premier ministre, ministre du Plan. Une femme ministre d'État aux Affaires étrangères. Une femme présidente de la chambre basse du Parlement. D'ailleurs, le chef de l'État a fait rire l'assistance tant à lui que Madame Janine Mabunda Azali Bongo speaker, il y a Assemblée nationale, Azali Bongo visage, il y a alternance. C'est une chose à saluer et nous, nous sommes là aussi pour encourager une bonne représentativité des genres Naba institution et Mboka Nabiso. Le chef de l'État dit ceci: la pauvreté n'est pas une fatalité, nous allons la vaincre et nous la vaincrons. Effectivement, madame, messieurs, vous devez savoir et retenir que lorsqu'on a la volonté politique de travailler pour satisfaire les aspirations du peuple, pour satisfaire les intérêts primordiaux du souverain primaire, ce n'est que normal. La pauvreté n'est pas une fatalité. Le chef de l'État l'a reconnu et tout en insistant sur la contribution, la participation de tous, n'est au Rolonga. Monsieur Moro et Sorolara et Longuité, Mokonzamboka se rendre compte que si nous nous mettons ensemble, si réellement nous acceptons de travailler pour l'intérêt supérieur du souverain primaire, rien n'est impossible. Il y a un lobby. La pauvreté n'est pas une fatalité. Nous allons la vaincre. Et nous la vaincrons. C'est ce qu'on entend par la détermination politique. Lorsqu'on est déterminé à rencontrer, à relever certains défis, les moyens vont se disposer, d'autant plus que la volonté politique est de mise. Nous préférons la révision du mode de scrutin des gouverneurs et des sénateurs pour qu'ils puissent revêtir de toute la légitimité et éviter les scandales des scrutins derniers. Madame, Monsieur, fidèles téléspectateurs, c'est avec grande honte que nous avons assisté à des séries de corruptions à grande échelle lors il y avait élection, au niveau de l'Assemblée provinciale, au niveau il y a Sénat, institution Ozali, il y a Mounene, il y a Mboka Nabiso, apprendre qu'il y avait des sénateurs, ou comment les sénateurs bon parce qu'ils sont corrompus. Donc, il y a qui Kanya Kanaï, à l'IESI, députés provinciaux pour qu'ils vont voter Bango. Soi-disant députés provinciaux, je le dis comme ça parce que si vous êtes réellement élu, vous devez tenir compte de la base. La base c'est quoi? La base c'est la population qui place votre confiance en vous pour que vous qui nous représentez Bango, pour que vous travaillez pour nous rencontrer l'expression les plus légitimes dans Bango. Lorsque vous prenez l'argent pour satisfaire vos intérêts particuliers, nous serons là pour vous dénoncer et je parie que la mesure, c'est, j'allais plutôt parler du souhait, le souhait du chef de l'État de voir la révision du mode de scrutin des gouverneurs et des sénateurs sur le côté effectif, en effectivité, voit en tant que les élus nationaux mettaient ça en application, revoyaient un peu ces dispositions et au ça là bien.
Donc, Kosti et Araba député provincial va voter à sénateur, on a eu ça là que, bah, juir, peine à moi, maniwana, et au Kosa, bah, imbo, kabolia, à Kanyaka, pour satisfaire ma bounabino, ma bounabino, alors que le peuple congolais au Koufananzala. Là, nous ne serons jamais d'accord et dénoncerons toujours, bah, pratique ou ana ignoble, pour vous dire quoi, nous n'avons pas besoin de cela dans ces pays. Nous souhaitons le retour au deuxième tour de l'élection présidentielle pour que l'élu soit légitime et comptable devant le peuple. Madame, Messieurs, nous avons tous décrit en 2011, à moins que je ne me trompe, le fait qu'il y a qu'on ramène le scrutin présidentiel, il y a deux tours et qu'il y a un tour. Nous avons tous déploré cela. Pourquoi? Parce que on pouvait avoir 30%. Et bien, nous avons un pourcentage de Osa élu président de la République. Mais est-ce que réellement vous bénéficiez de la légitimité? La légitimité, c'est la confiance que le peuple place en vous. On regarde le pourcentage. Et bien, non, Mokonzambo est élu à 90%, à 70%. Sûrement, là, vous bénéficiez de la légitimité du peuple congolais. Mais au contraire, en tout cas, ceux qui vont revoir des dispositions et Osa la bien, et permettre un peu que Mokonzambo est élu. À bénéficier d'une aspiration profonde et à la population. Je ne vais pas permettre que l'on puisse toucher aux dispositions intangibles de la Constitution. Ce n'est que normal. Le chef de l'État a insisté sur cette question tout en disant qu'il respectera la Constitution dans sa lettre. Et vivant dans un état de droit, ce n'est que normal. Ce n'est que normal que tu aies respecté le texte légal et le pour que tout le monde vive vraiment, réellement dans l'état des droits. Suis au courant des réseaux mafieux de corruption, et de détournement, une juridiction spéciale va être créée pour traquer ceux qui s'y adonnent. Toutes les barrières supplémentaires doivent être immédiatement supprimées. Donc je l'avais dit tantôt, fidèle téléspectateur, que le chef de l'État, le fait pour lui de garder bouche cousue n'est pas dit que c'est un aveu de faiblesse, moins encore qu'il est dupe. Non. Donc Mokonzambo Kazawana en train de suivre de près. Parce que c'est la personnalité la mieux informée en Mbora Nabiso. Bisigan sur le détournement, ça les mawana. Je vous informe que très bientôt, j'étais personnellement en prison centrale à Makala, en Atene Nenge Bazo, réhabilité, pavillon 11. Je vous dis, fidèles téléspectateurs, amis internautes et à Congo France, rassurez-vous que désormais. Tous ces détourneurs, ils sont incarcérés. Ils ont tant de gabegés financiers, ils ont tant de détournements inutiles. Ils ont tant à l'étranger et le peuple congolais continue à souffrir. Je vous informe, chères autorités. Je vous appelle autorité parce que vous êtes placé dans la fonction, il y a haute facture et que vous dirigez ces pays. Mais lorsque la finalité de vos actions, c'est satisfaire les intérêts particuliers en Baban Anabino, vous serez dénoncé. Ne vous en faites pas. Vous serez dénoncé et parce que nous suivons de près toutes vos actions ici nulle part ailleurs. Je vais me battre pour l'indépendance du pouvoir judiciaire et ainsi permettre à ce que riches et pauvres puissent avoir un accès équitable à la justice. On l'a déploré maintes fois que nous avons une justice à double vitesse. Nous avons une justice à géométrie variable. Vous allez bien sûr vous rendre compte que Mokonzambo ka azali bongo déterminé pour que Nayo Mutambola, Nayo Mutambongo, vous allez au même pied d'égalité sur le box des accusés. C'est-à-dire que ceux qui Mutambongo, Amiro Salabavantu, soi-disant Mutambongo, parce que Mbongo, il faut le bango. Votre argent, ce n'est pas pour faire souffrir le peuple. Votre argent, c'est pour vous et vos intérêts particuliers. Mais ce recours inafilé, Yabaimboka et que vous pensez que votre argent pourra bien sûr servir à manigancer les décisions de la justice, chers compatriotes, rassurez-vous que le pays a changé, nous vivons dans un état de droit. Je refuse des chantiers non achevés parce que j'ai un bilan à présenter au peuple. Mais c'est clair. Vous pensez que nous allons toujours là continuer à prendre des décisions sans pour autant suivre l'applicabilité de ces décisions-là? Je me souviens encore une fois de plus, le 24 mars, lors du lancement du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État, avec une place mythique échangeur. Ce qui m'a plu dans son allocution, la sous-allocution, j'en appelle au suivi du peuple congolais. Donc on en a Joseph Kabila Awa. Pourquoi? Parce que
qui a pris la décision avec la bureau et le rapport. Mais je vous annonce que cette fois-ci ici, toutes les mesures qui seront prises par l'autorité suprême du pays, il a pris l'engagement bien entendu à suivre l'applicabilité Nango, Bissouza en tant que peuple congolais, Bissouza en tant que Lobel Nabino. Nous allons suivre ça de près pour sûrement vérifier le chantier inachevé. Grâce à la gratuité, 2 500 000 enfants sont retournés à l'école. Une mesure courageuse de haute portée symbolique et politique. Ce n'est que normal. Le chef de l'État n'a que respecter la Constitution parce que c'est ça, c'est qu'elle dit la Constitution. L'enseignement de base doit être garanti, doit être gratuit. Et le chef de l'État a accepté, bien entendu, de suivre de près cette mesure et mettre en application, et la mettre en application, le lot, 2 500 000 élèves, enfants, Bazongi Kelasi. Sans l'éducation, nous aurons un pays avec un avenir hypothéqué. Aujourd'hui, le chef de l'État l'a dit, il a pris cette mesure courageuse et politique. Et le lot, Bazongi Kelasi. 2 500 000, c'est pas peu. Chef de l'État, chapeau bas pour cette mesure courageuse. Mon rêve est de voir Cape Town relié au Caire et Mombasa à Lagos en passant par la RDC. Le chef de l'État l'avait d'ailleurs souhaité, dans le programme d'urgence de 100 jours, la connectivité des entités territoriales. Dans le cannabis, déjà, la province et vous allez la connecter, ne vous en faites pas. Vous aurez bien sûr l'intégralité de ces discours-là dans notre prochaine édition. D'ailleurs, vous l'aviez eu déjà. Mais à certaines séquences importantes, nous allons bien sûr le remettre dans notre prochaine émission pour que Bota la volonté on a. Et puis, comment est-ce que nous allons faire Manambo Kanabiso va connecter l'entité territoriale pour que facilité, fluidité, circulation, c'est la bonne effective. Massango, Kouta, Ezokouta, Kouta, Kouna, Nabandundu, Ekouta, Nafacité, Nakatanga, Ozouta, Nasidoubangi, Ekita, Awa, Na Kinshasa, et puis peuple congolais, à la bonne servie. Et puis. Terrain à la bonne rencontrée. Je décrète l'année 2020 l'année de l'action, de la victoire sur la pauvreté, du succès, de la renaissance, de la justice et de la paix. Pas trop de commentaires là-dessus parce que là ce n'est qu'un vœu. Le chef de l'État n'a que décrété cela. Nous reviendrons ici pour notre partie, en tout cas moi je n'aimerais pas trop en parler, mais ce qui est sûr c'est la volonté politique et le chef de l'État est déterminé. Mais nous reviendrons le mois de décembre 2020 ici devant la caméra, madame, monsieur, pour faire l'évaluation. Il y a mesure, il y a détermination, il y a mesure. Année 2020, c'est l'année, il y a action, il y a victoire sur la pauvreté, il y a succès, il y a renaissance, il y a prospérité, il y a justice, il y a kimia. Ce qui est allé bon effectif, et au salaire, c'est bien, et c'est ça notre souhait. Il faut le dire, fidèles spectateurs, nous ne pouvons qu'accompagner ceux qui ont la volonté de travailler pour satisfaire les intérêts primordiaux, allais-je dire, du peuple congolais. J'ai l'ambition de faire de notre armée une armée puissante. Une base, il y a commandement de Général des Points à Est, dans Nord Kivu précisément. Et c'est quand même force armée de la République démocratique du Congo, Bazako, Bundisa, groupe rebelle, ADF Naluba, FDLR, Maïma, Yuana, pour qu'il y ait l'ongola. Nous sommes fatigués de vivre les exactions dans cette partie de la République démocratique du Congo. Ceux qui meurent là-bas, ce sont des Congolais. Ceux qui perdent leur vie là-bas, ce sont des compatriotes congolais. Et nous ne pouvons pas continuer à vivre dans l'indifférence. J'ai l'ambition de faire de notre armée une armée puissante. Madame, monsieur, fidèles téléspectateurs, il faut le dire et insister sur cette question que la force armée à Moranabissou Bazo Bundisa avec la détermination la plus décisive du groupe rebelle sur l'Est-Kuna. Et nous insistons sur le soutien Yabandekouana. Le chef de l'État a promis de réajuster leur enveloppe salariale. C'est normal. Et nous insistons sur cette question tout en disant que Mokonzamboka soit mesure Wana à bras le corps, tient en application pour que Basoda, Salah Nabangwe Bonga. Policiers salaire n'est bon parce que si le sorte déclara les lots que il y a tout le bas trop d'incohérences, hein, trop d'incohérences na agir na chef il y a bas policier, c'est parce que un mot en blague sur rien avant vous allez vraiment
insignifiant, ceux qui te méquent un peu, qu'on revoit yango, même quand on a la volonté, on a parce que vous le banon, quand tu as réhabilité des fautes en comble, quand on a eu un peu de temps, 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 on a eu un corps important. Il y a société Nabiso, il faut bâtir la condition que vous allez confortable pour que tu bénéficies de la sécurité. Et puis, est il y a République démocratique du Congo et Zongela qui m'y en a. Madame, messieurs, c'est un discours de 2h30, il faut le dire. Nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de résumer cela, mais qu'à cela ne tienne, très prochainement, nous allons recevoir ici, dans nos prochaines émissions, des invités avec les Kiki, avec qui nous allons bien sûr essayer un peu de discuter sur toutes ces mesures, sur cette allocution de détermination du chef de l'État. Autant dans la bouquet, binini, au Mokonzambo, Kareko Sala, bien aux Anapos, au Sala pour le peuple congolais, pour que l'intérêt du peuple congolais est à la bongo satisfait. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Et là, qui bongo, citation biblique, au Konzamboka, à Zouaki, pour nous reclôturer à l'occasion. La Bible dit, il est dit, parce qu'on a la Bible, hein, quand Dieu vous donne des responsabilités, il vous accorde aussi des capacités pour y parvenir. Napsaume, chapitre 37, Napsaume 37, 6, Bible lobby, fais de l'éternel des délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Pas trop de commentaires là-dessus. C'était au moins l'essentiel de la locution du chef de l'État. Nous avons accepté un peu d'analyser, d'apporter au moins notre réflexion par rapport à la décision de Mokonzamboka. Nous allons suivre ça de près. Nous ne sommes pas là seulement pour applaudir les discours. Nous sommes là aussi pour suivre de près l'exécution de toutes ces mesures-là. Accompagner le chef de l'État, les alipiers Kolandela, Maloba Lobaki, Kobeta, c'était pour que. Respect dans parce que ma mesure n'y sont il y a des ministres qui ont leur part de responsabilité, il y a des gouverneurs qui doivent aussi travailler de leur côté, il y a des sénateurs et députés qui doivent aussi travailler, proposer des textes aux Isalabongo profitables pour l'intérêt souverain supérieur, pardon, et souverain primaire. Madame, messieurs, c'était avec beaucoup de plaisir que nous avons bien sûr partagé avec vous ces 30 bonnes minutes, il y a réflexion, il y a analyse, il y a discours chef de l'État. C'était juste quelques phrases intéressantes qu'ils ont bien sûr tirées pour permettre à ce que vous en avez dit. Hein? Bah, je me contente d'abord à l'obac qui est trop. Je suis là, l'obac qui est de côté. Je suis là, l'obac qui m'en va bien. Et en plus, tu as apporté moi, touche la mission par rapport à ma phrase qui est vraiment intéressante pour me permettre de comprendre où ils allaient bon idée à me contente. Nous ne saurons pas nous éterniser sur ces discours tout en disant ceci à tous les dirigeants. C'est notre dernier message par rapport à ce numéro. Chers dirigeants, chères autorités, Tolobarango, avec beaucoup d'insistance et de détermination et sans crainte ni peur, ceux qui vous ont ici, vous en attendez que tu sais qu'il est ici, Joseph Kabila, vous avez qui on a dans le lobby à Ozalapi, on a dit. Est-ce qu'un de vos camis Razali, on a le lobby par Ozalawanate? Est-ce qu'un de vos chansons Mobinamba Razali, on a le lobby par Ozalawanate? Est-ce qu'un de vos godins pour Yazali, on a le lobby par Ozalawanate? Si vous êtes élevé à un rang, il y a responsabilité à une nation, prenez vos responsabilités, travaillez pour le peuple. Travaillez pour le peuple. Parce que l'histoire vous rappellera un jour que vous étiez un jour ministre, vous étiez gouverneur, vous étiez bourgmestre, vous étiez chef de rue. Qu'avez-vous fait pour votre population? Quelles sont les actions posées pour la satisfaction de ses aspirations le plus profondes? Mais tu nous as tellement ébellés. Ce qui est salité, dans ça la salité. Vous avez été placé là-bas pour satisfaire l'intérêt à peuple et non à la famille Nabino. Vous avez des familles, travaillez d'abord pour votre famille ou Eliboso, les Alibongo peuple congolais. Nous faisons confiance et insistons sur les résultats. Quels sont les résultats? Résultats aux Alanini. 2023 à Moussikate, Bayimboka. Merci pour l'attention qu'on a bien soutenue. Merci à Bayimboka Bolandibiso avec beaucoup de détermination. Merci à ma prisonnier politique Nyonso. Au Bolandibiso, de Ibis Nabino Boe, Bozala Yaro Lenda, Yaro Simbara un jour. Mike Mukebay, avec beaucoup de considération et de chaleur. Kouloutou Mike, ici Rosalie. Yeba keska to zape awa, toujours continuer toujours au bout pour que vous recouvrez liberté na yo et puis au robima.
tous les prisonniers arrêtés, mis en prison injustement. Rassurez-vous que nous avons un bon apport que vous recouvrez la liberté de Nabino. Avec beaucoup de détermination. De Saint-Guibino, merci pour l'attention et vous fixez rendez-vous très prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Papa, maman, tout nanga ninye. Et le koto zala ki koze la. Yango yoe. Pon aba séjour na binon ele kamalamu. Na Kinshasa, Kin Label, agence de location de voitures de luxe. Awana Kinshasa, ba meme lubino bongo. Power Buzz Car, Oyo Bazali. Na équipe na bango professionnel. Bazali na disposition na binoe. Power Buzz Car, location de voiture. Yasika pe kitoko na prix ya malamu oyo wapi. Oko kiko kontate bandeko ya Power Buzz Car na ba numero oyo. Plus 243-85-151-5000. Topé na plus 243-82-23-86-668. Belle Isusu na www.powerbuzz-car.com. Topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance. Naba professionnel, ya bandeko, ya Power Buzz Car, oyo ba pesi, offre spéciale pour na bino nyonso. Boko loue ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo, bozali na yango, awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mwasi, bandeko ya Power Buzz Car, po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car, Eye ko silisa ba tracasserie nyoso ya transport. Ya ba délégation spéciale na bino, ya famille, pe ba transport nyoso privé, oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko e. Power Buzz Car oyo, ezali solution ya suka pona déplacement na bino nyoso express. Pona likambo ya qualité pe quantité na ete mituka. Nul par ailleurs au Kokouté au Kaka, na Kinshasa en particulier, pe République démocratique Mobimba, Kaka et pe Bandekoya, Power Buzz Car avec impact. Power Buzz Car, Moussala yaba professionnel, pe na sécurité nyoso. Power Buzz Car, le travail des professionnels. Keyo, oui. France.com